Aujourd'hui, le secteur de la joaillerie est un des secteurs les plus importants de Maurice, pas forcément en volume, mais surtout en valeur ajoutée. Avec la mise en place du Economic Development Board, qui est quand même encore une jeune institution, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une stratégie pour développer un vrai écosystème dans le secteur de la joaillerie, avec l'ensemble des différents acteurs, que ce soit donc à partir du sourcing, de l'approvisionnement, de la production ou du marketing ou du développement de marché, mais aussi au niveau de la formation. Nous sommes là pour conseiller, pour assister, pour accompagner toutes les entreprises mauriciennes qui souhaitent se développer sur le marché français. C'est un grand honneur pour nous d'être là et je remercie profondément le gouvernement mauricien pour ça. Et ça me permet de créer des liens, de rencontrer des gens et de développer des contacts pour le futur. Je m'informe, je vois un petit peu les tendances, ça me permet de comparer, d'évaluer mon travail. C'est une place très importante, Bijorhca, dans le monde. Hein. C'est international, il y a des acheteurs du monde entier. Il y a la presse, il y a tous les professionnels. Donc c'est une image forte de Maurice pour l'étranger. Ce que l'Economic Development Board a fait en faisant ce stand et en prenant cet emplacement-là, c'est très important parce que nous aurions eu difficilement les moyens de le faire nous-mêmes seuls. Et le fait d'avoir toute l'industrie de la bijouterie ensemble sur un stand sponsorisé par le gouvernement, ça donne une certaine crédibilité à tout le secteur ensemble. Et ça montre que le gouvernement mauricien a envie que son secteur réussisse et qu'il investit pour que son secteur soit là. Très bonne opportunité de nous ouvrir au marché européen et aussi des DOM et aussi d'autres pays comme le Pakistan, comme l'Irlande. Donc c'est une foire internationale où l'Europe est présente. Ici, on voit les changements, les nouveaux designs, les nouveaux concepts, les nouvelles tendances qui drivent le marché. C'est un salon qui donne l'occasion aux artisans et fabricants de l'île Maurice d'être présents, de pouvoir démontrer leur savoir-faire et leurs expériences dans le secteur de la bijouterie et de faire savoir au monde entier qu'ils peuvent compter sur l'île Maurice comme une plateforme de sous-traitants pour ce secteur.